bien, salut tout le monde, c'est Patisman. Aujourd'hui on se retrouve avec Mister, salut à toi. Salut les gens. Et du coup les amis, aujourd'hui un bon gros programme, j'avais un bon petit programme mais non en fait il est pas mal quand même. Donc aujourd'hui les amis on va s'attaquer à pas mal de craft qu'on avait parlé l'autre fois. À commencer par faire une selle particulière les amis, parce que si vous vous souvenez bien, la dernière fois on a capturé un éléphant. Et du coup, on va aller faire sa selle aujourd'hui. Hop. Vous avez vu un petit bâtiment là, c'est pas à moi de vous le présenter, vous verrez ça plus tard. Donc il a bien grandi, maintenant je pense qu'on peut lui monter dessus. Il va falloir tester ça. On va essayer aussi de faire une selle pour la manticore, mais je suis pas sûr qu'on puisse la monter pour le moment. Mais en tout cas, on va déjà faire celle de l'éléphant pour commencer les amis. Sinon ça va? Non. Ok, donc c'est parfait, l'épisode commence bien. Alors, celle-là... Est-ce que c'est traduit? Ça doit être traduit, non, c'est pas traduit. Comment? Attends, je sais pas comment on s'écrit dans le mode. Bravo, le mec qui prépare un épisode, il y connaît rien. Non, je prépare pas l'épisode. Je lance le record et je prépare. C'est la même chose. Alors, nous, c'est ça qu'on veut faire, les amis. Donc, je pense qu'on va plus faire celle-ci. Quoique... Celle-là pourrait être pas mal aussi. Non, l'autre était mieux, je préfère. Non, on va faire celle-là. Donc, il va nous falloir une teinture vert clair, une teinture rose et une teinture pissenlit. Ok. Hop, une pissenlit... Une vert clair et une rose. Donc on a les trois. Il va nous falloir... Non, on va devoir tous retaper, donc on va plutôt faire ça. C'était celle-là. Donc on a les trois. Ensuite deux laines rouges, deux laines bleues et une laine jaune. Donc je sais pas si on a toutes les couleurs de laine. En tout cas on va en prendre ici sinon. Ok, donc il va nous falloir du lapis. Non, j'ai pas dit de lapis, hein, j'ai dit du lapis. C'est la même chose. À peu de choses près. Tu finis pote un peu trop. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, il me saoule ton serpent là. C'est ton serpent. Non, c'est ton serpent. Non, c'est ton serpent. J'avoue, c'est ton serpent. Oh, c'est oui, c'est rien ça. Du coup, il nous fallait ça et une jaune. Et donc après, c'est un médaillon. Donc le médaillon, on peut le faire avec ça. Hop. Hop. Et on a donc la selle de l'éléphant. Donc on va essayer de lui mettre ça sur le dos et puis on va voir ce que ça donne. On pourra à l'avenir faire aussi un coffre. Donc on va bien voir ce qu'on va faire pour l'instant. Je pense que ça suffira déjà ça. Mais il nous servira déjà de monture. Ah, je crois pas qu'on peut lui mettre comme ça. Je crois qu'il faut faire la selle quand même avant. Je vais tenter quand même de faire la selle spéciale éléphant avant les amis. Je sais pas si on peut le poser directement comme ça en fait. Sinon ça veut dire qu'il est pas encore assez grand. Mais je pense que si. Qu'est-ce que t'en penses toi? Non, tu penses pas. C'est bien. Alors attendez. Éléphant. Donc il nous faut là. Éléphant, machin bidule. Donc 3 laines, 2 de fer et 4 hide. Hop, 2 laines. Et 3 fer. On va plutôt faire directement avec le livre, on se fera moins chier. Et on a là éléphant bidule truc. En même temps, on va faire la selle spéciale pour monter. Spéciale pour les animaux de mon créature. Faut monter sur les animaux. Si je la trouve, attendez.
Au pire, je peux faire ça. Je le crafterai plus tard. Voilà. Je vais prendre ça. Au pire, je peux en crafter des selles comme ça, si jamais, les amis. Voilà. Crafting saddle. Donc. Mec, il abuse trop. La porte, elle se ferme, non? Ton micro, il fait un bruit trop bizarre. Il crépite comme ça. C'est toi le creepy. C'est ça. Hop, donc on va tenter de poser ça. Eh, c'était bien ça, donc il faut mettre ça. On peut pas lui mettre ça après. C'est bizarre. Bon, bah, c'est pas très grave au pire. À moins que ça s'utilise. Non, même pas. Bon, bah écoutez, on va le garder pour l'instant comme ça. Attends, je peux pas lui monter. Ah, si, je peux lui monter dessus. Et re, les amis. Donc j'essaie de lui monter dessus, puis ça m'a fait crash parce que ça me dit que je suis en train de voler. Mais en fait, c'est parce qu'il faut viser un endroit précis. Il faut le trouver. Mais je sais pas c'est où. Bon bah écoutez, pour l'instant on va le laisser comme ça. J'essaierai de trouver plus tard. Mais je sais plus comment on lui monte dessus. J'irai voir ça les amis. Mais en tout cas, c'est pas très grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la Manticore pour le moment. Et le reste des crafts. Parce qu'il nous reste à crafter quelques trucs super sympas. Hop. Hop. Donc, je vais aller tout de suite check la Manticore. Je l'ai tuée, elle est morte. Ouais, c'est ça. Tellement. Ah bah c'est bon, je peux lui monter dessus. Donc les amis, on peut utiliser la Manticore pour s'envoler, pour bugger dans des blocs. Et plein d'autres choses. Donc elle est super sympa. Après elle est un peu dure à manier pour le moment, mais c'est un coup à prendre on va dire. Par contre elle risque de se barrer, donc je vais la laisser là pour l'instant. On va la laisser se promener. Ah, elle a buté le mouton. Bon d'accord. Bravo. Et donc les amis, j'ai fait une petite coupure le temps de préparer le reste et je vous retrouve tout de suite. Donc les amis, il s'est passé une petite journée depuis que j'ai arrêté de filmer au niveau de la Manticore. Du coup j'ai fait quelques trucs entre temps. J'ai arrêté tout simplement en fait parce que je devais aller faire autre chose, donc j'ai pas pu continuer. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un beacon x4 maintenant ici, donc avec les blocs de fer et tout. Parce qu'il faut savoir que maintenant on récupère des blocs de fer en fait sur les golems de la farm à PNJ. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un bon point. Du coup, on va continuer à crafter pas mal de choses les amis. Parce que j'ai tellement renseigné un petit peu, donc je sais comment utiliser l'éléphant. Ça par contre, je sais toujours pas comment on le met, je pense que j'ai ma petite idée. On va essayer. Donc, il va nous falloir. Donc, apparemment, ça aussi, je peux lui mettre. Va falloir tester tout ça, de toute façon. Donc, on va crafter celui-ci. Donc, il va me falloir 4 bâtons, 4 laines rouges et une laine jaune. Alors. Hop, on va déjà prendre 4 bâtons. Hop. Du rouge. Alors, du jaune, j'en ai plus de fait. Donc, ce n'est pas grave. On va en prendre directement. Je pense avec ça. Hop, c'est tout bon. Nickel. Donc c'est l'avantage de récupérer un peu de tout, hein, parce que forcément en allant se balader, on récupère un peu de tout. Donc je vais crafter tout de suite la selle spéciale pour l'éléphant. Donc faut savoir que je sais aussi comment enlever les selles carrément, faut utiliser une cisaille, donc c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas trop mal. Donc on va faire ça, ça, et on a la éléphante machin truc bidule. Donc à ce qui paraît, on peut lui mettre ça normalement sur sa selle. Mais je vais tenter des choses, vous allez voir.
Ça va être sympa. Donc là, il est là. Donc oui, il faut lui enlever ça. Donc je l'ai récupéré normalement. Oui. Donc, je sais pas si c'est un bug, les amis, mais j'arrive pas à lui mettre quoi que ce soit. À part celle-ci. Donc voilà, je peux lui dire de s'accroupir comme ça. Hop, attendez, on fait des tests. Bon, c'est pas très grave, en tout cas je sais comment lui monter dessus. Bon, il est pas très rapide comme monture, mais c'est une monture du désert, hein, dans tous les cas. Bon, bah si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas moi j'en ai aucune idée. Ok, on a une autruche ici. A mon avis, c'est Mister qui l'a mis parce que je lui avais dit qu'on en chopperait une pour mettre des œufs. Enfin, pour essayer de choper des œufs d'autruche. Ça pourrait être plutôt cool. En attendant, je vais vous montrer aussi la petite écurie. Donc, assez sympathique avec, nos meilleurs chevaux. Fidèle la chèvre. Non, c'est Gisèle, c'est pour ça. Non, je rigole. Je sais pas pourquoi il l'appelait comme ça. Mais en tout cas, on aurait essayé, mais je sais pas trop. Je sais pas comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à me le dire. Ça fera pas de mal. Donc, pour la suite, les amis, nous allons crafter une épée assez stylée. Donc il va nous falloir 3 dards de scorpion. Et il va nous falloir une épée en diamant. Donc on va prendre de quoi faire. Hop. Hop. On a largement de quoi faire en diamant. Ça qui est plutôt sympa. Et normalement, si je mets 3 dards de scorpion avec cette épée, ça me fait la cave scorpion sword. Donc je sais pas trop comment elle fonctionne. Est-ce qu'on peut déjà la mettre là-dedans? J'ai pas l'impression qu'on puisse la mettre. Va falloir tester ça un petit peu plus. Mais on va l'essayer sur je sais pas quoi. On va essayer ça sur, sur une vache. Tenez. Quoique, sur une vache. Allez. Ah oui! D'accord, elle fait très mal. Elle fait très très mal. Elle est même peut-être meilleure que mon épée là. Enfin, je sais pas. On va essayer de voir s'il n'y a pas des mobs qui traînent. Il y a toujours quelques mobs normalement. Il y a une autruche. Donc elle fait du 13 de dégâts. Ah ouais. Et elle donne un effet de potion de Wither, j'ai l'impression. Par contre, moi, je me suis fait empoisonner, mais je sais pas comment. Ok. Je vais voir si c'est pas ma... Ah non, c'est peut-être une méduse. Il devait y avoir une méduse qui traîne. On va regarder vite fait. C'était sûrement une méduse, donc c'est pas très grave. Hein. J'ai cru que c'était l'épée, en fait, qui pouvait m'empoisonner. Ok. Donc, apparemment, je mets des effets. Je sais pas quoi. On va tester sur ce zèbre. Ça doit être sûrement de la blindness. Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle fait très mal. Par contre, elle s'use assez vite. Mais c'est pas très grave. On va la garder, les amis. On l'utilisera pour le moment. On va tester de tuer encore cet éléphant avec. Et puis, on verra bien. Hop. Il y a pas mal de petits poissons. C'est plutôt sympa. Ok, j'ai fait beaucoup de dégâts. J'ai même obtenu le petit truc là. Ah, j'ai infligé 9 coeurs de dégâts, donc c'est pas trop mal. Ça fait du 18. 18 de dégâts, c'est plutôt sympa. Donc on va la garder. C'est super. Et donc, je vais... J'aurais bien aimé tester de la nettoyer. Je testerai ça hors vidéo, c'est pas très grave. Et donc les amis, on va faire autre chose. On va faire... La voiture donc qui est juste ici. On va en faire une autre. Est-ce que ça s'appelle Jeep? Non, ça s'appelle pas. Enfin, je sais pas si ça se crée pas comme ça peut-être. Alors, c'était avant. C'est sympa ce qu'on peut faire quand même. On s'aménagera sûrement une maison, dans tous les cas.
Alors elle est là. Ok, c'est car. Il va nous falloir déjà un châssis pour commencer. Donc on va prendre un peu de fer sur nous. Et on va commencer tout doucement. Hop, donc on a le châssis. Avec le châssis, il nous faut un lingot de fer. Donc on l'a déjà. On va positionner ça dans notre inventaire. Attendez. On va mettre ça là, ça là, ça là, ça là et ça là. Donc on met le lingot de fer. Je sais pas si c'était comme ça. Non, c'était pas comme ça du tout. Ensuite, il va nous falloir ça. Donc, pas mal de choses, un répéteur et compagnie. Répéteur, comparateur, peut-être qu'on a déjà. Oui, on a déjà. Hop. Quelques grilles. Il va me falloir un levier, un piston, une plaque de pression et un chaudron. Hop, donc peut-être que le levier on l'a. Non, peut-être pas non plus. Si on a. Je vais juste en prendre un. Et il me faut plaque de pression et piston. Donc piston on en a un là. Hop. Et plaque de pression. Donc, il va me falloir juste de la pierre. Ah, il y en a une là. Parfait. Vous voyez, récupérer un peu de tout, ça aide. Hein. Donc, hop. Tac. Tac. Et tac. Donc, on a le Car Engine System. Donc, ensuite, il va nous falloir ceci. C'est pas très dur à faire. Hop. Il nous faut juste ça là. Et des petits lingots de fer comme ça. Ensuite, il va nous falloir les sièges. Donc, il nous faut une selle. Une selle, on en a plus par contre. Des selles. C'est la loose. S'il doit y en avoir, peut-être à l'écurie. Je vais aller voir ça tout de suite. Ensuite, une laine. Et quatre machins. Donc, les selles, je sais qu'on peut les crafter, mais je me souviens plus du crafter. Il n'est pas donné dans le machin. Ça. Attendez, je me souviens plus trop. Vous voyez, je peux faire la selle là, mais c'est pas celle là. Une laine et trois de fer. Ok. Hop. Ok, attendez. Je vais débarrasser les laines qui traînent là. Parce que ça traîne et le truc c'est que c'est pas souvent utilisé. Hop. Peut-être qu'il y en a juste ici des selles. Ouais, parfait. Il y en a juste là. Donc vous voyez qu'avec les beacons c'est plutôt sympa, je fais pas mal de dégâts, c'est aussi pour ça que j'ai fait beaucoup de dégâts à l'autre. Ah c'est pour ça aussi, c'est peut-être avec l'effet de force hein, que je fais autant de dégâts. En tout cas c'est pas grave, mais elle est bien puissante, vous voyez c'est écrit 6 points d'attaque, mais je pense que... On testera après, mais je pense que c'est... Elle est pas si puissante non plus, mais elle est pas mal en tout cas avec l'effet. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait exactement, mais elle est plutôt pas mal. Hop. Donc on a la car site. Et il nous manque les roues du coup, il nous faut 4 roues. Donc piston, boule de slime et encre. Hop. Hop. Piston c'était là. Hop, parfait. Ah merde, c'est vrai. Si je... Normalement je peux voir comme ça. Ok, c'est pas grave. Hop, hop. Hop. Ah, ça me les fait pas direct, c'est chiant ça. Ça c'est relou. En fait, j'en ai pris 4, mais il m'en faut beaucoup moins. Je suis un peu con. C'est pas très grave. Tac, et ensuite on a l'unfinished car. Mec, cet unfinished car, il va nous falloir aussi ceci. Donc il nous faut encore une roue, mais c'est bien, je l'ai déjà. Du colorant, machin. Et ça va être facile pour le reste en fait. Hop, c'était combien, je sais plus. C'était 3, oui. Et il nous faut des fleurs. Celle-ci, je pense que ça va. Et donc, il va me falloir ça, comme ça. Oui, c'est nickel. Et la petite roue qui traînait là. Voilà. Et on va déjà se prendre notre petit lucky block. Juste ranger un petit peu les trucs qui traînent. Ça j'en ai besoin. Ok. Et donc on a récupéré la Jeep. Et ça s'écrivait bien Jeep en fait. C'est moi qui ai rêvé.
Et donc, ce qu'on fera, c'est qu'on va aller en jeep vers le Lucky Block, je pense, les amis. On va juste tout ranger. Ça, je vais le mettre là. N'hésitez pas, du coup, à me dire comment ça fonctionne. Ça, j'en ai aucune idée. Tac, tac. Ça va là. Et il faut aussi que je pose le colorant, le fil, les bâtons. Et l'autruche. Non, dégage. J'entends un ogre, je crois. Attendez. C'est quoi que j'entends? J'ai entendu un bruit de lion. C'est juste en dessous, ok. Ça doit être une manticore, je pense, les amis. C'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va prendre la Jeep. Donc, elle fonctionne sans essence. C'est pratique. Hein. Ce serait bien que si c'était comme ça dans la vraie vie aussi. Ce serait super pratique, même. On va peut-être dormir juste avant. Ça peut être sympa aussi. Hop. Voilà, comme ça, on dort. Nickel. Hop, on part par ici. Donc faut savoir que la Jeep peut être détruite. Je crois qu'elle fait bondir les flèches par contre. Les flèches des squelettes juste, hein, pas celles des autres joueurs. Et donc on va la tester. Donc c'est conseillé. Enfin moi je vous conseille de jouer. Ok, pas comme ça. Hop, ça me dit toujours que je fly, mais bon, c'est pas grave, on se recouvre vite fait. C'est le serveur qui a un petit problème. Hop. Et donc, on va se garer juste ici. Voilà. Parfait. Ma question c'est est-ce qu'on va mourir? Oh, un coffre. Oh, sympa. Ok, je récupère tout. Bon, sauf peut-être ça. Et on va casser le coffre parce que j'ai pas envie que ça reste là. Et voilà. Donc, les amis, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, dans cet épisode, on aura fait quand même quelque chose d'assez sympathique, dont la voiture. Et puis, moi, du coup, je vous dis, n'hésitez pas. Allez, c'est un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'était Patisman, on se retrouve à la prochaine, allez. Ciao, ciao.